Salut à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche euh, en cette fin d'année 2020 déjà. Cette année, elle est passée vraiment très vite. Elle a été assez particulière. Mais on va essayer d'en tirer que du positif. En tout cas, moi aujourd'hui, je décide de te parler ben, de ces aliments qui sont si riches en nutriments qu'on leur a attribué ce titre de super aliment. Alors, qu'est-ce qui va rendre un aliment super à quelle fréquence le consommer et surtout est-ce que ces super aliments vont réellement améliorer notre santé ou est-ce que c'est juste une histoire de marketing et de gros sous On va voir ça ensemble tout de suite et également je décide au fil des semaines, en tout cas si les vidéos, enfin si cette vidéo te plaît, je vais poursuivre en mettant chaque euh, au fil des semaines des super aliments en avant. Bien sûr des super aliments qui sont présents dans mon quotidien. Vous pouvez en voir quelques-uns ici. Aujourd'hui, je décide de mettre le chou kale sous le feu des projecteurs. C'est un chou que j'apprécie tout particulièrement. On est en plein dans la saison, donc je vais t'en parler un peu plus en détail. N'hésite pas à ton tour, si tu, euh, si tu as certains aliments qui sont un peu abstraits pour toi, donc tu aimerais connaître les vertus, de me le faire savoir en commentaire. Je serais ravie de, pourquoi pas, faire une vidéo euh, sur cet aliment-là. Bien sûr, si ce n'est pas de la viande ou du poisson ou un crustacé. On s'entend bien. Hein on est sur de l'alimentation végétale. Hein bon, en tout cas, comme d'habitude, avant de poursuivre cette vidéo, n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner, à liker, à commenter, à partager et à propager le message autour de toi. Euh, ben bah, écoute, on se retrouve tout de suite. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on entend parler, on entend beaucoup parler des super aliments et on dit d'eux qu'ils seraient des trésors de valeur nutritionnelle. Alors les super aliments, ce sont tout simplement des aliments qui sont 100% naturels et qui contiennent une quantité impressionnante de nutriments bons pour la santé. Vont être riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en protéines, en matières grasses saines, en oligo et j'en passe, à mon avis, beaucoup. Et ces nutriments-là, nutriments ils vont fournir à notre corps l'énergie nécessaire pour veiller ben, au bon fonctionnement de notre organisme. Les super-aliments, ils vont donc nous aider à prévenir d'une multitude, multitude de maladies, finalement. Et ils vont également euh, rendre notre système immunitaire beaucoup plus fort. Ils vont donc avoir des bienfaits ben, sur notre santé physique, sur notre santé digestive, sur notre santé même hormonale ou, euh, ou cardiaque, mais également sur le bien-être un peu plus en règle générale, parce qu'ils vont nous apporter ben, beaucoup de PEPS, de vitalité, d'entrain, et ils vont nous permettre d'avoir un certain équilibre. Les super aliments, vous les voyez devant moi. Ce sont tout simplement... Des graines, des épices, euh, des noix, euh, des herbes, des, des algues, des racines, comme vous le voyez là avec le curcuma ou le gingembre, des produits de la ruche ou encore des fruits et des légumes. Il y en a certains qui sont un peu plus méconnus et un peu plus durs à trouver. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme exemple Je pense à, à la poudre de baobab par exemple ou au kéfir. On commence un petit peu à en entendre parler. Là, ça fait 2-3 ans que ça commence un petit peu à sortir le kéfir. Euh, ou encore je ne sais pas aux algues rouges et puis il y en a certaines qui sont très faciles à trouver et en plus de ça qui ne sont pas du tout onéreux je pense à la carotte ou encore au citron que vous devez tous avoir dans, dans, dans votre dans votre cuisine je vous le présente plus <laughs> voilà oslo <laughs> Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait de consommer des super aliments quotidiennement, de les inclure dans nos repas, dans notre alimentation. Ça va Tranquille Là, il sent la cannelle. Ça sent bon, hein, mon bébé Oh, mon petit cœur. Pardon. <laughs> donc oui, je vous disais, euh, il faut les inclure au quotidien dans notre alimentation sans jamais bannir ben, les autres aliments, mais, euh, mais plutôt euh, de les associer en fait, de les associer ensemble. N'oubliez pas surtout qu'il n'y a aucun super aliment qui à lui tout seul euh, contient tous les nutriments nécessaires pour notre organisme. Euh, donc, il faut vraiment essayer d'aller varier. Je prends euh, par exemple des, des amandes. Vous Adorez les amandes, alors le matin vous vous faites votre propre beurre d'amande, euh, l'après-midi vous mangez une poignée d'amandes tous les jours, c'est super! Mais de temps, de temps en temps, n'hésitez pas à varier et à choisir un autre oléagineux, tel que euh, la noix du Brésil, la noix de macadamia ou, euh, ou les noisettes. Euh, pareil pour, pour les herbes, hein. moi je suis une, une folle de l'amande par exemple. J'en mets un petit peu partout, que ce soit en infusion, dans mes salades ou dans mes plats. j'en mets partout. Mais de temps en temps, ben, je mets du persil, je mets de la coriandre, parce qu'ils vont avoir d'autres vertus pour, euh, pour notre corps, d'autres nutriments qui sont hyper nécessaires. Il faut en fait toujours trouver le juste équilibre, aller varier l'alimentation et puis euh, ne pas oublier la règle des 3 V. Je ne sais pas si je voulais déjà citer cette règle. Les 3 V, c'est vraiment euh, alimentation végétale, variée et vivante. Alors, est-ce que le fait que de consommer des super aliments va nous rendre en meilleure santé Alors oui, bien sûr, il va rendre notre système immunitaire plus fort, mais après, il ne faut pas oublier que les super aliments, ce ne sont pas non plus des aliments miracles. Je vous prends un aliment euh, basique comme la carotte. Vous avez beau manger des carottes tous les jours, si vous mangez des carottes sous forme de chips, sous forme de frites, ben, ça ne va pas forcément avoir de bonnes vertus pour vous, pour votre corps et pour votre santé. Donc c'est toujours vraiment c'est du bon sens finalement. C'est Certes, les super aliments, c'est bon pour la santé, mais il faut adopter un mode de vie sain. Il faut adopter euh, une alimentation équilibrée. Et puis, je voulais faire un petit parallèle, mais vraiment très rapide, comme je sais le faire, euh, par rapport à la Yurveda. Parce qu'aujourd'hui, euh, le citron, par exemple, est un super aliment. Le, ci le citron, il est très acide. Et pour moi qui suis de dominante, euh, mon dosha, ma constitution de base, c'est pita, l'eau et le feu. Ça ne va pas être bon pour mon corps. Que de consommer du citron. Si tous les matins je me fais un citron pressé à jeun au réveil et que je me le bois en me disant c'est un super aliment, ben, c'est faux. Parce que même si c'est un super aliment, il ne faut pas oublier qu'on est tous différents, nous sommes uniques et ce qui va faire du bien à mon voisin ne va pas forcément me faire du bien à moi. Il faut toujours être dans l'observation aussi de soi. Moi, je sais que j'ai déjà beaucoup d'acidité, beaucoup de feu en moi. Si je consomme trop de gingembre, de piment ou de citron, ils ont beau être vertueux pour notre santé, avoir des nutriments de fou. Ça ne va pas être bon pour moi d'en consommer régulièrement. Donc, toujours s'observer, être à l'écoute de son corps, c'est vraiment la clé de tout. Et la clé surtout d'une bonne santé, et c'est ce qu'on recherche. Alors aujourd'hui, zoom sur le chou kale. C'est vraiment euh, mon chou préféré et je crois qu'il fait partie de mes légumes favoris aussi. Euh, c'est un chou vert qui est frisé et euh, il se présente sous forme de feuilles, comme vous pouvez le voir. Et, euh, et, et vraiment, c'est rare les choux comme ça parce que euh, finalement, la plupart des choux vont former une tête avec leurs euh, leur feuilles et lui non, pas du tout. Euh, la France est un pays producteur. Là, on est en pleine dans la saison. Hein. La saison, elle démarre, je crois qu'elle démarre fin octobre, début novembre. Et elle se termine à peu près sur les coups de, de fin mars, début avril. Et euh, la France est un pays producteur. Après, je trouve quand même qu'on est un petit peu. Euh, ce chou, il n'est pas, pas aussi euh, étendu qu'aux qu États-Unis ou que dans d'autres pays du Nord. Par exemple, je pense à la Hollande où ils ont beaucoup de chou-kale aussi. Euh, nous, ce n'est pas encore quelque chose qui est très famous. Euh, J'espère que ça viendra parce que moi, j'adore ce, j'adore ce légume. Vous pouvez en tout cas en trouver dans vos magasins bio. Je pense à la Biocoop qui en a. Euh, J'ai une Biocoop pas loin de chez moi et franchement, ils en ont tout le temps à cette période de l'année. Euh, ou sinon, d'aller directement voir auprès de paysans euh, près de chez vous. Euh, généralement, euh, voilà, ils vont en avoir un petit peu. Euh, voilà, Renseignez-vous et vous allez toujours pouvoir en trouver. Pour bien choisir son chou kale, il faut se fier à l'aspect euh, des feuilles. Il ne faut pas qu'elles soient tachées, il ne faut pas qu'elles soient jaunes. Euh, ça se conserve plutôt bien dans le bac à réfrigérateur. Vous voyez, là, il, il commence à être un peu défraîchi. Je pense que je vais le faire ce soir. Mais il se conserve allez, une dizaine de jours dans le réfrigérateur. Dès que vous voyez qu'il commence à jaunir, c'est que ben, ça commence à passer euh, et qu'il va falloir le cuisiner rapidement. Euh, les feuilles, elles vont pouvoir être différentes selon la variété. Vous voyez, là j'en ai quelques-unes qui sont violettes. Euh, sinon, généralement, c'est plutôt vert. Le vert va être de, de vert euh, moyennement foncé à vert très foncé. Des fois, il y en a certaines même qui sont bleutées. De feuilles, sinon violettes comme ceci. Et, euh, et pareil, au niveau de l'aspect des feuilles, euh, là, elle est très euh, très dentelée. Il euh, y en a certaines qui le sont beaucoup moins, euh, ou alors des, une dentelle beaucoup plus euh, beaucoup plus large. Donc, euh, ça va vraiment dépendre. Mais en tout cas, c'est un chou que je vous recommande parce que c'est bon. Mais surtout, ce qui différencie le chou Kale de tous les autres choux, ce sont ses valeurs nutritionnelles. Grâce à la lutéine qui est un agent phytochimique antioxydant, qui est présent en très grande quantité ben, dans notre ami le chou-kale, on va maintenir les yeux en bonne santé. On va réduire le risque de dégénérescence maculaire, de cataracte, et également on va réduire euh, tous les dommages euh, causés par la lumière, vous savez, la lumière du soleil euh, sur nos yeux. Euh, également, il y a de la vitamine A en très grande quantité dans le chou kale. Je ne saurais pas vous dire exactement les chiffres, mais, mais je crois que quelques feuilles de chou kale suffisent pour euh, combler tous nos besoins en vitamine A. Du coup, la vitamine A, elle va également aider à maintenir en bonne santé nos yeux, mais elle va aussi nous aider à avoir une peau radieuse. Euh, elle va nous aider à lutter en fait contre le vieillissement de la peau. Donc, tout ce qui va être ride, euh, également nous aider dans la cicatrisation, pour l'acné. Et il euh, y a également beaucoup de vitamine C dans le chou kale, pareil, qui vont nous aider à avoir bonne mille, une bonne mille. Pardon. Donc, l'alliance la, de la vitamine A et de la vitamine C va faire qu'on va être rayonnant, séduisant... Euh voilà quoi <laughs> Non, plus sérieusement, c'est vraiment un cocktail molotov de vitamines, euh, le chou -kale. Vous avez de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C et de la vitamine K. Grâce au calcium présent en abondance dans le chou -kale et à la vitamine K, nous allons euh, maintenir nos os en pleine santé euh, J'avais lu dans une étude que pareil, comme pour la vitamine A, euh, tout à l'heure je vous disais il suffisait de quelques feuilles de chou kale, mais là c'est pareil concernant le calcium, il suffit vraiment de quelques feuilles de chou kale pour combler nos besoins en calcium. Donc c'est vraiment euh, du coup un, un aliment qui est idéal pour toutes les personnes qui sont véganes ou en tout cas qui sont dans cette démarche, dans ce chemin euh, de retirer tous les euh, tous les, euh, les ingrédients euh, issus de, de l'exploitation animale. Et, euh, et même pour les personnes qui ont tout simplement une intolérance au lactose, ben pour combler ces carences en calcium, mangez du chou kale. <laughs> enfin, le chou kale, il va être riche en acide folique et en fer. Tous deux sont nécessaires pour la production de nos globules rouges et donc pour avoir un sang qui va être sain. <laughs> Avec l'accent de Marseille, c'est super, le sang sain. Euh, également, pour toutes les femmes enceintes, je vous recommande de consommer à outrance du chou kale. En fait, il va réduire le risque de malformation congénitale. Donc, allez-y si en ce moment, vous êtes, euh, vous êtes enceinte, vous attendez un enfant, je vous recommande vraiment euh, d'en manger à outrance. <laughs> euh, vous pouvez vraiment le consommer cuit euh, ou cru. Quand vous allez le consommer cru, il va y avoir une concentration de vitamine qui va être beaucoup plus importante, une concentration de vitamine A et C. Euh, en, en cru, vous pouvez le manger vraiment coupé très finement. Euh, en fait, c'est très simple, il faut toujours enlever cette membrane, euh, enfin j'appelle ça une membrane, mais je ne sais pas trop, que vous pouvez réutiliser après pour vos potages. Et donc, vous voyez, en tirant comme ça, hop, j'ai démembré. Hop, ça je le garde pour mon potage. Et après ceci, je vais couper vraiment très finement. Et vous pouvez l'assaisonner avec un peu d'huile de noisette. Euh, moi j'aime bien le mettre avec des fruits tels que euh, des grenades euh, ou encore des pommes avec un peu de chou rouge. Vraiment, euh, laissez votre créativité euh, s'exprimer. J'aime beaucoup avec l'huile de noisette aussi. Et puis si vous le consommez cuit, vous allez avoir une concentration d'autres nutriments qui vont prendre le dessus tels que le fer. Alors cuit, vous pouvez le manger vraiment euh, en gratin, euh, en juste poêlé. Moi, je l'adore, juste poêlé à l'huile d'olive. C'est une tuerie. Euh, vous pouvez le mettre au, au four en termes de chips. Essayez ça euh, si vraiment vous, vous faites un refus du chou kale parce que l'aspect du chou kale vous répugne ou je sais pas que vous avez une idée reçue. Essayez-le dans un premier temps en chips pour l'apéro. Vous invitez des amis. Et vous allez voir, c'est une tuerie. En plus, vous n'êtes vous pas euh, obligé de mettre beaucoup d'huile parce qu'en fait, vous allez avec le pinceau mettre un petit peu d'huile euh, de votre choix, une huile végétale, euh, qui, qui bien sûr, une huile qui va, euh, qui va accepter la chaleur. Hein, ne mettez pas de l'huile de sésame qui n'aime pas la chaleur haute parce qu'après, on va passer ces chips-là au four. Et, euh, et vous mettez un tout petit peu euh, de sel ou un mélange de sel et, et de, de sel marin et de graines de sésame et vous mettez ça au four. Vous allez voir, c'est sûr que vous allez apprécier bien qu'il ne faille pas abuser de ce type euh, de cuisson un petit peu avec beaucoup de graisse. Euh, dans tous les cas, le chou kale quand même, il, euh, il est recommandé de le manger avec un petit peu d'huile végétale crue comme ça, sans aucune huile. C'est n'est pas ce qu'il y a de meilleur en termes de goût. Je vous ai dit absolument tout ce que je pouvais savoir sur le chou kale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de consommer ce chou qui est juste fabuleux et vertueux. Euh, essayez de le consommer, de l'acheter plutôt en, en agriculture bio ou alors de l'agriculture raisonnée. Euh, le local aussi, c'est toujours le mieux. Après, on fait de son mieux avec les moyens du bord. Dès la semaine prochaine, vous allez avoir une recette euh, à base de chou kale que je vous ai concoctée. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous ai également mis euh, en ligne depuis quelques heures un article sur le chou kale pour pouvoir euh, retrouver toutes les informations que je viens de vous donner euh, par écrit avec une petite recette bonus en plus. Une dernière chose que je ne vous ai pas dit, vous pouvez très bien en faire également des, des jus, des jus verts. Avec du céleri, avec de la pomme, avec du citron. Euh, c'est une tuerie. Le chou c'est mon favori dans tous les cas. Bon, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à, à m'écrire si jamais vous avez des questions. Si jamais vous voulez euh, que je mette en avant un super aliment en particulier, j'en serais vraiment ravie. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.